Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici dans le cadre du salon Space à Rennes. Alors, on va vous présenter des nouveautés, des nouveaux matériels, mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine dans Power Boost, enfilez vos scaphandres spatiaux car c'est bien au Space de Rennes que nous nous rendons. Nous y avons vu le Sirex, ancêtre de la décileuse disparue il y a quelques millions d'années, que des savants fous de chez Émilie ont ramené à la vie. Ensuite, tour d'horizon de quelques médaillés de l'Agritechnica, au programme Fendt, Kemper et Kuhn. Nous vous présenterons une nouvelle application de chez Groupama qui s'inscrit dans le co-farming. Nouvelle dynamique qui sera mise en avant le 25 janvier lors du Co-Farming Fest. Enfin, nouveauté, le téléskid de JCB. Son nom ne fait pas référence au tire-fesse, mais à sa compacité qui lui permet de se faufiler partout. Bon épisode à tous, mais avant tout, les news. Classe prépare une surprise pour l'Agritechnica. Le constructeur lancera le tout premier tracteur semi-chenillé à suspension intégrale. Avec l'Action 900 TerraTrac, l'innovation réside dans l'intégration de chenilles TerraTrac suspendues. Héritées des moissonneuses batteuses classe, ces chenilles ont néanmoins été spécialement adaptées aux exigences du tracteur. L'Action 900 TerraTrac développe jusqu'à 450 chevaux de puissance et est homologuée sur route à 40 km/h. Voir, c'est tout simple et pourtant c'est ingénieux. Jérôme Lefévrier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur commercial chez Émilie. C'est vrai que vous avez imposé un cahier des charges pour ce godet qui a eu un prix ici dans le cadre du Space. Quel était ce cahier des charges imposé à votre bureau d'études? Le cahier des charges qui était imposé au bureau d'études, c'était d'avoir un outil qui découpe absolument tout type de tas, que ce soit de l'ensilage de maïs, de l'ensilage d'herbe, du brin long, du brin court, des bottes de foin, des bottes de paille, des bottes d'enrubanage. L'objectif, c'était de découper tout type de tas. Oui, mais attendez, il y en a d'autres qui ont pensé cette idée de mettre une lame comme ça sur un godet dessileur. Oui, oui, tout à fait. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous. Là où nous avons innové, c'est que nous avons deux brevets sur cette machine. Un premier qui nous permet d'éviter les coups de bélier par rapport à une régulation de la pression et du débit hydraulique, qui s'appelle le système Soft Control, qui est breveté Émilie. Et un deuxième qui est un déflecteur mobile qui nous permet en fait de à la fois garder la matière lorsqu'on décile dans le tas et à la fois de se rabaisser par la suite pour avoir une bonne visibilité lors du transport de la marchandise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des capteurs qui permettent de renseigner sur la position de la lame. Tout à fait, il y a des capteurs inductifs en fait qui nous permettent de connaître la position de la lame et de donner ce mouvement en fait de cisaillement. Pour finir, quel prix et quelle disponibilité? La disponibilité, c'est pour tout de suite. Et le prix, on varie entre 11 et 12 000 euros sur des machines entre 2,40 m et 2,60 m. Ce qui est inédit, puisque jusque-là, nous avions des scies qui ne faisaient que 1,80 m, 1,90 m de large. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une des médailles les plus remarquées au futur salon Agritechnica. C'est un nouveau concept d'attelage. La semaine dernière, Fendt a fait du bruit en annonçant leur nouveauté présentée au Agritechnica. Cette semaine, nous allons faire un focus sur l'une d'entre elles, récompensée d'une médaille d'argent au Agritechnica Innovation Awards, le système Variopool. Ce système permet, en rapprochant le point d'attelage de l'essieu arrière à l'aide d'un système de vérin de verrouillage hydromécanique, de mieux répartir la charge reposant sur les essieux du véhicule. De plus, cela permet d'éviter les déséquilibres, de préserver le sol et transmettre un maximum de puissance de traction aux pneumatiques de différentes tailles. Enfin, ce déplacement du point d'attelage améliore la visibilité du conducteur lors de l'attelage de l'outil. On le sait, la sécurité, c'est important et malheureusement, trop souvent sur les routes, il y a des accidents. Katel Perrenou, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez initié une application chez Groupama, qui a eu d'ailleurs un prix, un InnoSpace. Ce qui est intéressant, c'est que cette application, elle est gratuite, on peut la télécharger. Mais est-ce que vous pouvez nous en expliquer le principe? Il s'agit d'une application sur smartphone dont l'objectif est de permettre aux agriculteurs et tout conducteur de véhicules lents ou encombrants de se signaler lorsqu'ils circulent sur la route auprès des autres usagers en temps réel.
les autres usagers ayant eux-mêmes une application pour réceptionner les alertes. Alors concrètement, ça veut dire qu'un agriculteur qui sait qu'il va se déplacer va pouvoir télécharger votre application gratuitement, signaler qu'il est présent. Tout à fait. Et puis un automobiliste peut aussi télécharger cette application et dans ce cas être informé donc, de la présence d'un agriculteur. C'est bien cela ? Un agriculteur qui se signale via l'application Vigilant, tout à fait. C'est-à-dire que vous négociez aujourd'hui avec des éditeurs de GPS ? On est en échange pour l'instant avec des éditeurs de GPS. Des partenariats sont en cours de signature. Nous sommes ouverts à d'autres éditeurs, bien évidemment, pour intégrer cette solution dans leur GPS. Mais quel est l'enjeu ? C'est vraiment important le nombre d'accidents aujourd'hui de ce type sur les routes françaises ? Tout à fait. C'est vrai que Groupama avait fait une étude il y a quelques années en lien avec la préfecture du département des Côtes d'Armor. Sur 8 années analysées en termes de sinistres, nous avions pu identifier 56 accidents, dont 9 décès mettant en cause des matériels agricoles lors de collisions avec d'autres usagers de la route. Catel Perrenou, félicitations. Merci. Alors, vous savez que cette application, elle est gratuite. Que vous soyez agriculteur, vous pouvez la télécharger. Que vous soyez automobiliste, téléchargez-la aussi. Et puis, ça vous permettra certainement d'éviter comme ça des accidents. Effectivement, s'il y a une date à retenir, c'est bien le 25 janvier prochain. Vous pourrez venir et participer au premier international Co-Farming Fest. C'est l'événement qui va regrouper à l'échelle internationale toutes les plateformes de co-farming, c'est-à-dire à chaque fois que grâce au numérique, des agriculteurs peuvent échanger avec d'autres agriculteurs des informations, des matériels et beaucoup de choses encore à inventer. Albin Gingo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur commercial de Kuhn. C'est vrai que vous avez eu une médaille dans le cadre du palmarès de l'innovation à l'Agritechnica. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de cette innovation ? Oui, donc tout d'abord c'est un honneur pour le groupe Kuhn d'avoir reçu une médaille d'argent dans le cadre des innovations à l'Agritechnica. Ça récompense aussi le travail d'équipe qui est mené au niveau du groupe, hein, sachant qu'on cherche toujours à améliorer la qualité de travail de nos outils. Le principe que l'on a mis en place sur nos charrues, c'est d'avoir un système pour gérer indépendamment le relevage de chaque corps, c'est-à-dire que lorsque l'on arrive en bout de parcelle ou dans une fourrière, chaque corps se relève individuellement et permet d'optimiser la superficie labourée. Quelque part, c'est un peu comme la coupure de tronçon pour les pulvées, c'est-à-dire que ça vous permet d'optimiser totalement les surfaces travaillées. Oui, tout à fait. Ça permet notamment par rapport à ce qui repousse des adventices, hein, parce que c'est un sujet de plus en plus d'actualité. Et ce système permet d'optimiser la surface labourée, hein, et de ne pas avoir de zones non labourées dans une parcelle. Merci beaucoup. Quimper propose une solution étonnante, mais qui devrait permettre de limiter le développement des pyrales. Oui, bonjour, c'est Christian Kersten de la société Quimper en Allemagne, le leader mondial des becs à maïs. Et cette année, on est très heureux, on a gagné une médaille d'or pour notre nouveau système, la lutte contre la pyrale, déjà avec pendant le système de l'ensilage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? En effet, on a intégré un système à fléau dans notre bec, 8 rangs grosses toupies. Et donc maintenant, on peut en même temps faucher le maïs, onciler le maïs et en même temps lutter contre la pyrale. Donc ça veut dire qu'on va écraser à ras du sol tous les chaumes qui restent. Le gros avantage de ce système, c'est qu'on n'écrase pas des tiges des chaumes avec l'ensileuse, avec les pneus. Et dans ces tiges écrasées, souvent la pyrale peut survivre.
Donc ça c'est évité et il faut voir vraiment travailler la machine. Donc on est persuadé que ça va lutter effectivement contre la pyrale. Je vais vous faire découvrir une nouveauté, c'est même une avant-première, voire une pré-série. Rodolphe Villette, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors quel est le principe du téléskid ? Alors le téléskid, c'est un chargeur compact, machine qui tourne donc par ripage, avec un bras télescopique. Et quelle motorisation on retrouve sous le capot ? Alors on va retrouver un moteur JCB, puisque JCB en fabrique ses propres moteurs. 4 cylindres, 4 litres 4, donc 74 chevaux, tiers 4 final, sans filtre à particules ni à déblou. Et côté performance de levage ? Côté performance de levage, on va être à 1 tonne 400, donc à ras des fourches. Et une fois le télescope sorti, on est à 650 kg. Et côté hauteur de levage ? Alors côté hauteur de levage, donc c'est tout l'intérêt de cette machine avec le télescope. Et on arrive à une hauteur de levage à 4 mètres. Donc ce qui est quasiment 1 mètre de plus qu'une machine à portée fixe. Alors là, on voit effectivement avec une version traditionnel avec une fourche, mais on pourra avoir aussi bien un godet. Bien sûr, tous les équipements spécifiques peuvent s'adapter hein, sur ce genre de machine. C'est un tablier traditionnel, conforme à de nombreuses activités, de nombreuses marques aussi qui font ce genre de machine. Et la disponibilité ? Il sera disponible assez rapidement, fin octobre, la production démarre. Merci Rodolphe. Merci Jean-Paul. En France, on trouve souvent trop cher le prix d'un hectare de terre. Pourtant, à quelques centaines de kilomètres, vous savez qu'il faut des fois débourser 80 000 euros pour un hectare de terre. J'ai 53 ans et 53 ans de conviction d'être agriculteur. Je pense que c'est le plus beau métier du monde. Nicolas est agriculteur dans le centre de la Belgique, à 40 km de Bruxelles. Une zone où le prix des terres peut atteindre entre 60 000 et 80 000 euros l'hectare. Alors comment faire pour rester rentable dans ces conditions ? Alors, 60 000 euros l'hectare, bah déjà on n'a pas choisi cet esprit-là. C'est une évolution qui est rapide. Les premiers hectares achetés, ils étaient à 10 000 euros il y a 25 ans. On est à 60, 70 000, 80 000 euros l'hectare ici dans le plein centre. Alors comment faire pour pouvoir être performant avec ça ? Eh bien écoutez, c'est déjà les sublimer et d'y faire attention. Et pour ça, ben, peut-être que faire attention au sol par la biologie, par les sols vivants, c'est quelque chose qui doit être un fil conducteur. Nous avons décidé de faire de la vente directe il y a quelques années. C'est un commerce sur exploitation et nous valorisons notre production de viande bovine directement à la ferme. Qui nous a permis de marger un peu plus et surtout être fier du produit que l'on produit, que l'on vend. Alors si vous pensez vous aussi que l'avenir de l'agriculture va passer par des engins comme ces robots, ben n'hésitez pas à lire notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine. Bam 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 b